fait beaucoup de rock avec Ponyhawks et beaucoup de tournées avec d'autres chanteurs. Et ça se sentait qu'il fallait que je revienne à mon côté saxophonistique et mon amour du jazz. Et donc je me sers un peu de tout ce que j'ai appris en tournée et en produisant des albums de rock ou de pop pour revenir dans le jazz. Au sein d'un quartet assez classique avec batterie, basse et de l'organe. Donc c'est quelque chose qui groove quand même un peu plus, quand même plus influencé soul. Mais ça reste du jazz. Je tenais vachement à l'orgamonde pour le côté church, le côté église et sacré que l'orgue peut donner. Arne Roulin, on joue d'une façon magique, donc ça convient exactement à mes envies de soul music, et Motown et tout le son de ces années-là. Je pars souvent de motifs qui ressemblent à des chansons et ça peut finir éclaté en free. Mais le free est une infime partie, moi, je trouve, de l'univers qu'on essaye de développer en ce moment. Et on se tourne aussi vers le hip-hop. Donc le free, c'est vrai que c'est ma culture à moi de saxophonique, de hurler dans le saxophone, mais c'est pas l'identité propre du tigre de douce.